Salut à tous, c'est Nasband qui vous parle pour la troisième fois, même si vous le savez pas. Ouais, on a eu un léger petit souci. Oui, on a eu un léger souci. La première fois, bah, ça a bugué. La deuxième fois, on a dû aller manger, puis on s'est fait détruire pendant que... Oui, parce qu'ils ont fait un super système. On peut pas mettre en pause le jeu. Voilà. Alors, moi, j'avais mis plein de mal de troupes et tout, mais non. Non, ils sont passés comme dans du beurre. Moi, j'ai survécu, hein, par contre, de manière assez surprenante, en fait. Oui, ils t'ont pas attaqué. On dit, on va d'abord détruire le français, puis après, on va attaquer les espagons. Voilà. Parce que oui, oh putain, ça neige. Non. Ah si. Ah cool, j'aime bien la neige. Bah, je viens vers chez toi, hein. Ouais, comme avant, colle-toi pas trop. Ouais, bah, je suis là, ça va. Ouais, ça va. Voilà, on va s'éloigner un peu de la neige, peut-être. Pourquoi? Enfin, du bord, comme ça, on pourra mieux se protéger. Oui, bah t'as vu où je suis, moi, là, c'est bon, hein, j'ai déjà construit. Ouais, mais c'est bon, c'est moi qui me suis éloigné un peu. Hein. Bon, je vais aller découvrir les comptoirs, si tu pourrais m'aider à ça, hein. Bah, mon indien est déjà parti en route. Mon indien est déjà parti. T'as envoyé ton indien, toi? Mon indien et mon explorateur, en général, il y a un qui part chaque côté. Alors oui, pour ceux qui n'auraient pas vu les anciennes vidéos de Age of Empires 3, oui, on construit ensemble parce qu'on joue en expert, hein. C'est une technique pour rester un peu plus longtemps, oui. Voilà, C'est une technique pour gagner, en fait. Ah. Ça fait moins... Comme ça, on n'est pas obligé d'avoir deux doubles défenses à chaque fois et voilà. Toute cette merde, quoi. Des moutons. Oh, je vois. Tu aimes les moutons. J'ai trouvé des moutons. Je suis content. Qu'est-ce que je ferais sans mes moutons, quand même? Tirer, en chercher. Voilà. Toi, tu vas mourir. Qui ça? Une biche. Hein, pourquoi une biche? Bah, parce qu'il n'y a pas de baie. Oublie pas qu'il y a de la bouffe et tout le bordel qui va arriver devant chez moi, hein. Ouais, ouais. Bah, tu ferais gaffe parce que t'es très près de mes trucs, hein. Ouais, ouais. Puis moi, il n'y en a qu'un seul qui récolte. Les autres sont déjà au travail. Ça y est, c'est bon, ils sont là, mes troupes, là. Ouais, ils sont arrivés, fais gaffe. Et du coup, j'en ai envoyé 5 sur le bois, comme d'hab. Tac. Y'a où du bois, putain? Ah, c'est la neige et la même forêt. Hein. On me pique ma bouffe, on me pique ma bouffe! Où ça? Y'a un connard qui pique ma bouffe! Oui. Toc, tu vas où toi? Il n'y a pas assez de notre côté peut-être? C'est plus près, chef! Il faut voler tout ce qu'il y a nos amis! Bon bah, va chasser, hein, mon gars! Toi, va construire une maisonnette, même deux! Ouais. Tac, 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 ça se met déjà bien en route! Oui, ouais! Mais bon, sur la neige, ça prend toujours plus de temps. Non, c'est pas que ça prend plus de temps, c'est que c'est au niveau de la protection qui est plus difficile. Oui. Parce qu'on peut pas construire sur la glace. C'est bizarre, n'empêche. Mais... J'ai jamais compris pourquoi on pouvait pas construire sur la glace. C'est toi le vert, hein, l'explorateur. Oui, moi je suis vert. Ok. J'ai pris les couleurs qu'on voit bien, quoi, puis qu'on se mélange pas avec les tiennes. Parce que le vert et le rouge et le violet, étonnamment, ça se mélange. Bon, je vais prendre l'indien, là. Correcto. Désolé, je viens de manger. Y a pas de souci. Et puis comme ça reflue pas mal chez moi, vous allez entendre un petit peu de bruit. Oh, t'es en train de m'aider? Hein? T'es en train de m'aider? T'aider à quoi? À tuer les ours. Ah bah ouais. J'étais même pas au courant, hein, je l'ai dit tout de suite. Hein. Gare, il a fait ça ton propre initiative, hein, je lui ai rien demandé. 1, 2, 3, 4... Non. 4, 5, il me manque un. 6, c'est bon. J'ai trouvé le dernier. Bon, bah, je prends celui là où je suis. Ouais, ouais. Votre ordre? Oui. Là où t'as tué les ours. Ouais, ouais. Après, toi, t'as mis des ours. Pas de soucis. Non, bah, alors, la chasser, les gars, il faut chasser. Non, et pourquoi on a des lags de connexion là sur le micro? On est dans la même pièce, bordel. Oh, ça va, j'ai rien. Non, mais il y a des petits lags. Pas grand chose, mais. Moi, j'ai rien, alors, franchement, perso, j'ai rien. Si. Cazadora. Mande, oui. Bûcheron. Cazadora. Il y en a un qui est aux toilettes. Comme tu dis, hein. Cazadora. Il a été chercher les cafards. J'attends d'avoir mon dernier paysan qui arrive, juste pour pouvoir prendre le paysan français. Bonjour. Bonjour. À bientôt. Il parle comme renard, c'est bizarre. Quand même. Correct. C'est bizarre, c'est bizarre. De vous approcher aussi près de ma base. Mais non, ça va, on a pas trop allumé les Français sur la troisième partie. Ouais, ouais, ça va. Mec, sur les deux autres fois, on les a un petit peu plus allumés quand même. Chasseur. Oh, un ours. Chasseur. Mon explorateur, on se calme. Ah, tu dis qu'il est chaud? Oui. Ah, il sait ce qu'il veut. Tu es. Chasseur, oui. Chasseur. Bûcheron. Hey, les gars, pourquoi vous avez tué deux biches? Une aurait suffi. Parce que deux, c'est mieux. Ah là là, c'est des hommes.
tous des salopards. Ouais, je prends mes comptoirs, moi. Moi, j'ai déjà pris bien. Peinard. Moi, je les prends en même temps. Moi, ça les prend le bois, j'en fais un à la fois. De toute façon, il doit marcher entre les deux. Alors, une fois sur deux, le mien, il se plante. Ah ouais. Très intelligent, ton mec. Constructeur. Eh, c'est pas une lumière, hein. C'est un français. Oh là. Oh là là. Bon, bah, ma foi, il y a deux biches mortes. Hein. Ma foi. Ça annonce ce qui va arriver aux ennemis, voilà. Voilà. Preparada. Allez hop, va construire un moulin, toi. Constructora. Aussi près de là ? Ah ouais. Fermier. Comme ça, moi, c'est juste qu'ils puissent se réfugier si l'ennemi attaque. Oui. Ils sont plus proches. Votre or, fermier. Ça va l'explorateur vert, là, qui passe chez les jaunes, tranquille. Ouais, il fout. Il dit bonjour. Mais bon, ce comptoir-là, il va se faire détruire assez vite, je le sens. Oui, en général, c'est celui qui se fait détruire en premier. On m'a très bien compris, s'il y a quelqu'un qui se plaint, voilà ce que je pense. Exactement. Non, mais... Ben... J'arrive pas à le faire, l'autre, quand il part. J'arrive à le faire quand tu lui cliques dessus, mais l'autre, j'arrive pas. Ah bah écoute, faut pas tout avoir. Hein, je suis pas un bon mouton. Ouais, voilà. D'ailleurs, être un meilleur mouton dans l'avenir, hein, c'est tout ce que j'ai à te dire. J'y travaille, mais c'est un travail à plein temps. Mm-hmm. Sinon, on pourra arrêter de raconter les conneries. Oh, tiens, mon comptoir se fait attaquer. Mais quelle surprise. En même temps, si les comptoirs n'étaient pas aussi salauds et qu'ils attaquaient dès qu'il y a quelque chose qui passe à proximité, c'est un peu de leur faute. Hein. Note qu'il est en train de gagner, mon comptoir. Oui, c'est les premières troupes, c'est les plus simples à tuer. Et moi, il y a un chien qui vient de passer devant chez moi. Salut, le chien. C'est comment bien, il va? Oui, j'espère que c'est le tien. Il a bouffé le paysan. Ah non, putain. Ça doit être le mien. Eh, hey, c'est là, je voulais construire ma plantation. Foire. Quoi? Un souci avec ma plantation? Ah, pot de qui est de retour. Je te rappelle qu'on construit proche les uns les autres. Enfin, je la mettrai là. C'est la tienne qui va se détruire en premier. Bon, vous allez arrêter d'attaquer mon putain de comptoir, vous allez pas l'avoir. Si, on l'aura un jour. Quand? On sait pas, mais on l'aura. Mon explorateur, il est où? Il est en train de construire le comptoir, je crois, devant chez moi. Non, pas du tout, il a été sur celui du bas d'abord. Ah bah écoute, c'est lui qui choisit, hein. Mais qu'est-ce qu'il veut, hein, après tout? Je vais pas me plaindre, je vais pas me fâcher avec, hein. Ça va être un gentilhomme, alors on va pas se plaindre avec. Oui, oui. Non, il est très très gentil. Juste avec les ours, qu'il aime pas. Ouais, les ours, ça, c'est son point faible, il aime pas. Ça peut se comprendre, c'est gros, hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Mes paysans du bois, vous avez peut-être attaqué la forêt juste en bas de chez nous, hein. Ouais, on a chacun un haut comme ça. Ouais. Ça va pas pour le bois non plus. Comme si, genre, on savait pas assez de forêt, quoi. Alors, jamais assez de forêt. Ah, ça, c'est sûr, y a jamais. Oh, y a l'explorateur qui attaque maintenant en plus. Comment ça? Le comptoir. Ah, bon. C'est pas grave, allez. Putain, mais foutez-lui la paix à ce comptoir, bordel. Arrêtez de construire à côté aussi. C'est de votre faute, quoi, merde, c'est vous qui êtes con. Arrêtez d'avoir votre base près de mon comptoir, c'est tout. C'est vrai que c'est chiant, ça. Ouais. Comme si on y pouvait quelque chose. Nous, on construit, c'est tout. Bah oui. Non, il y a des bâtisseurs, c'est tout ce qu'on fait. On ne veut pas la mort des ennemis, voyons. Pour l'instant. Mon explorateur, le dernier comptoir, là, pourquoi tu l'as complètement évité? Il est là, il est à côté de chez nous, t'aurais pas pu le construire. Non, je ne construis pas de comptoir. Non, mais sérieux. Genre, tu sais, il pète plus haut son cul, mais... Il faut pas entendre. Bien, il est où d'ailleurs? Ça va, c'est pas trop dur ici. Rentre à la maison, c'est mieux. Il fait plus chaud à la maison. Viens ici. L'Indien, tu peux rentrer aussi, ça m'arrangerait. Ploum. Ah, bah non, attends, il était pas là. Ah, ça y est, putain. Il y a Renard qui est de retour? Ou Résus? J'en sais rien. Ou l'autre merdeur. Ça y est, l'explorateur il revient là. Non, mais putain, voilà, t'es mort. Devant chez toi, t'as pas honte? Oh la honte. Stufri, Nemo, Samshir! Si tu le dis. Tiens, attaque-moi ces trois piquets. L'Indien va arriver à tuer trois piquets, mais oui. Faut déjà qu'il arrive à arriver à en taper sur un. Hein, en fait, c'est. Il bah, arrête d'attaquer les paysans, mon comptoir aussi, hein. Attaque-moi celui-là, toi, plutôt. Et voilà, à chaque fois que j'essaie d'attaquer quelqu'un, il faut qu'il se barre, c'est con. Font chier. Bon, t'as des tourelles qui sont arrivées, je crois. Oui, je vais commencer. Sérieux, à mon poste. Je vais commencer avec les tourelles. Ouais, moi je vais commencer aussi, j'ai un peu de bois en rab. Je construis assez large, pour une fois.
Je te frie, ne me force pas, chier. Ne me force pas à faire ça. De quoi? Bah, je sais pas. C'est ce qu'il a l'air de vouloir dire, le mec. C'est vrai? Ne force ça. Ne force pas. Enfin, mon espagnol est très ancien. Hein, mais... Non, mais c'est l'ennemi, là. C'est Henri le Navigateur. C'est son explorateur qui dit ça. Alors, viens pas me demander ce que ça veut dire, hein. Ou pas parler langue espagnole. C'est pas de l'espagnol. Ah non? Non, non, c'est moi l'espagnol. C'est pour ça que je comprends pas, alors. Bah oui. T'aurais dû y penser plus tôt. Ouais, bon. Moi, penser. Ouais. On fait ce qu'on peut, mais c'est pas toujours facile. Ah, là, je vais passer à l'âge 3. Non, attends, moi j'ai même pas encore passé à l'âge 2. Moi, je vais faire comme d'habitude. Je vais pas d'erreur. Changer mes habitudes. Ouais, je vais faire la charrette aussi. Si tu veux. Ah ben, il y en a besoin. Maçon. Hein. Maçon. Bon, bah, j'ai pas assez de bois, d'accord. Qu'on soit déjà une tourelle de plus, mon dieu. Hola. Mais arrête de m'attaquer mes indiens, ça sert à rien, il est à moi ce comptoir. Hola. Recolectora. Ah, bonjour, je vais récolter. Ouais. Bon, à peu près traduit comme ça. À peu près. On n'est pas loin. C'est traduit à la française. Moi. Ah, exactement. Tiens, t'as affaire à construire ton comptoir, toi. Oui, c'est vrai. Il s'est décidé. Ça fait un moment que je vois que t'essayes, mais... Je vais laisser mon explorateur là, du coup. Ah, ils sont déjà tous les deux à l'âge 3, quelle merde. Mais je suis en train d'y passer aussi, hein, mais j'ai d'abord les paysans qui doivent sortir. Ouais, j'ai encore un paysan qui doit sortir, puis après... T'es là à l'âge 1, toi, putain. Ouais, on vient de me le faire remarquer, merci. Encore, genre là, je découvre. Oui, moi je découvre avant de tuer les gens. C'est bon, hein. Je prends mon temps. Je suis stressé, franchement. T'as un problème, peut-être? Non, j'en ai quoi, 4, 5, 6, 8. Et puis déjà, comment ils peuvent savoir à quel âge on est, sérieux? Oh. Bah, ils doivent avoir même pas loin l'affichage que nous, je présume. Non, mais c'est pas logique, de point de vue du jeu. Est-ce que t'as vu un truc logique dans un jeu? Franchement, dis-le-moi. Non. Alors, il y a des jeux qui essaient d'être logiques, celui-là, bah, c'est pas son cas. Ouais, non, mais pourquoi ce comptoir? Oh! Il est à 10 km de chez vous! Tu vois le comptoir indien? Non. Le comptoir, ici. Ah, parce qu'il est à côté du comptoir indien. Oh, il attaque des ours, qu'il est fou. Alors, il y a les ours qui attaquent, plus mon comptoir qui décide de... De remettre une couche? Voilà. Alors, H3, s'il vous plaît. Cette playlist, merci. Bon, ça c'est pas mon petit moment. Voilà. Bah écoutez, attaquez ce comptoir, vous allez crever de toute façon. Alors il me faut ça, ça, j'ai tout. Ah, des piquets qui viennent d'arriver. Ouais, il va y avoir un fort et trois tourelles qui arrivent aussi. Parce que je prends aucun risque ce coup-là. Mais on est bien parti avant, jusqu'à qu'on doit y partir. Mm-hmm. Mais ça a été une faiblesse de partir. Voilà. Et ils en ont bien profité, ces cons. Putain, vous avez foutu la paix à ce comptoir, vous êtes en train de mourir comme des merdes. Voilà, qu'est-ce que je disais? Toi aussi, tu vas mourir avec tes petites torches, là, voilà, c'est bon, c'est fait. Ils apprennent jamais de leurs erreurs, hein. C'est très long à apprendre, c'est comme le comptoir indien, je sais pas ce qu'ils en veulent, de ce machin, mais... Ah bah, cette fois, on a moins d'XP que la dernière fois, c'est génial. Ouais, 270, ça va. Non, 200... 207. Ouais, j'ai inversé les 2-0, excuse. Oui, la méthode à compter allemande, hein. Non, même pas à cause de ça, alors, pour une fois. Pour une fois, c'est pas mon côté booming qui ressort en plus. Pour une fois. Hein. Ah, je vais mettre un fort, ben... Bah, mets-le là. Où ça? Juste au milieu d'une tourelle. Là? Bah là où je viens de montrer. Oui. Là, entre deux tourelles, voilà. Ça, moi, je peux rejoindre avec mes tourelles. Jusqu'au fort. Moi, j'attends d'avoir mes tourelles qui sortent. Ils devraient attaquer bientôt, d'ailleurs, ces enfoirés. Bah écoute, là, j'ai une bonne défense de mon côté, en tout cas. Bon, j'ai un gros côté libre, mais bon. Faut bien leur laisser une chance. Bah oui, attends. Surtout que c'est pas voulu cette chance là. Ah, j'ai pas assez de poids pour construire ça, c'est moche. C'est con, hein. C'est très con, ouais. Bon, bah je vais passer à l'âge 4. Oui, moi j'ai encore 3 paysans à sortir, puis après je fais mes 2 âges d'un coup. Tranquille. Non, mais ça va bien là, hein. Je trouve que je progresse bien. Ouais, moi j'ai pas mal de tourelles pour une fois, c'est la première fois que j'en ai autant. Construit aussi vite, disons. Si. Bon, vous flinguez-moi, c'est tout, ça me fait déjà un moment qui me dérange. Vous pouvez pas le flinguer? Ah, si, quand même. Voilà, merci d'avoir flingué un ours. Oui, violence animale, tout ça, tout ça. Blablabla. Bla, bla, bla. Personne l'a vu que j'ai flingué un ours. Non. Pourquoi on le verrait? Qui a quelque chose à foutre de ce ours-là? Je l'ai remplacé par un mouton, je suis gentil.
Ouais, c'est un peu moins violent, on va dire. Bonjour. Bah justement, c'est tout l'intérêt, là. C'est que c'est moins violent. Preparada. Non, pas preparada. Là, je voulais voir... voilà, merci. Je voulais juste améliorer mon... chose, là. J'aime ta précision dans tes termes, c'est génial. N'est-ce pas? Ah, c'est une grande folie. Je vais faire mon usine en premier, hein. Bonjour. D'accord, si ça te va. Je veux pas t'obliger, hein, si tu veux pas, je le fais pas. Hein. Bon, je vais faire le train. Voilà. Ça marche. Ah, il est pas culotté, le mec. Quoi? Ah bah oui, tranquille. À côté de mon machin, il construit un truc, lui. Ça va, c'est pas trop dur, là. Il... Tu dis si je dérange, hein, je me casse. À mon avis, tu le déranges, là. Si tu ah, puis être... méchamment, alors, hein. Si tu pouvais te barrer, ce serait bien pour lui. Ouais, bah, je vais pas me barrer de si vite. Bon, à mon avis, il doit y avoir un fort pas loin, quoi. Bon, j'ai sorti mes piquets, enfin, j'ai sorti le merdier habituel. Ouais, je vois ça, constructeur. Hein. Moi, ça va, je suis tranquille. Constructeur. Moi, je rame tranquillement, H3. Ta-ta-da. Moi, j'ai pas envie de me stresser. Moi, je veux construire mon usine, là. Moi, je fais l'H3, l'H4. Pourquoi il y a un comptoir indien à côté de chez nous? Bah, c'est ça que j'ai pas pris. Ok. Et lui, c'est pas gêné pour le prendre. Enculé, va. Ah, écoute, hein, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Hein. Bah oui. Oui. Je peux encore construire avec des étoiles. C'est bien ça. Alors là, je vais mettre un fort. Un putain, un mouton, casse-toi de chez moi. Allez, dernière amélioration pour l'or et ça ira bien. Je vais faire l'amélioration de mes tourelles aussi. C'est bien cette amélioration en carte là, ça coûte rien du tout. Moi je l'ai pas, j'en ai pas besoin de celle-là. Ça me coûte pas tant que ça au final. Bah moi si je peux économiser un peu, je vais pas me gêner quoi. Moi ce qui me coûte le plus cher c'est mes troupes en général. Oui. C'est qui glande rien là? Et tu fais quoi là le villageois français? Pourquoi tu fous rien? Pourquoi... Bon. Eh hey, il est en grève, cherche pas. Paysan espagnol, au revoir, merci. Il est en grève, c'est tout. J'ai besoin de placer un villageois français. Je cherche pas plus loin, il est juste en grève. Alors, où c'est que j'aimerais dire qu'il récolte l'or? On va récolter cet or-là, s'il te plaît. Non, mais je sais qu'elle foutait rien, cette paysanne, elle est morte. Bien sûr qu'elle peut plus rien foutre. Dingue, hein. Comment, pourquoi elle n'arrive plus à travailler? Parce qu'elle est morte. Ça aide. Parce qu'on l'a tuée, lâchement. Ah. Ah. T'as un début d'attaque? Peut-être. Je sais pas. Toi. Moi j'ai le premier fort qui va arriver. Ah bah jusque là ça va hein. Ouais pour l'instant tout a l'air de bien se passer. Et ils étaient plus violents la dernière fois j'ai l'impression hein. Peut-être parce qu'ils ont froid, on va savoir. Ah le froid ça ralentit les troupes, ça d'accord, mais quand même. Là c'est quand même un sacré ralentissement hein. Voilà, moi je bouche le trou avec ça. Boum. Et un deuxième fort ici cette fois-ci. Tu veux que je le mette en bas le deuxième fort? Non bah je pense pas qu'on aura trop d'attaque. Non. Mais je vais quand même mettre des tourelles en bas. Oui, oui, mets tes tourelles. Mais moi, je vais mettre le deuxième fort en haut, là, au milieu de chez nous. Pourquoi je peux plus construire de tourelles? Parce que t'arrives au max? Non, 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 parce que j'ai pas sélectionné. Putain, c'est quoi l'icône des tourelles déjà? J'ai oublié. C'est le. En haut, tout à droite. En haut, tout à droite. Bah putain, je suis déjà au max. Ah bah oui. Ah bah oui, t'as pas eu ta carte? Bah j'ai oublié de mettre la carte pour avoir plus de tourelles. Voilà, je vais la faire maintenant. Ah, il est bon. Alors là, je suis étonné, c'est qu'on a pas encore été attaqué. Ouais, moi aussi. Ça, c'est très perturbant. Bon, j'ai que 5 bons hommes qui se courent après, mais... Je sens que ça va être une partie chiante où ils attaquent pas. Soit ils nous préparent le truc monstrueux, quoi. Ouais. Dans les deux cas, ça va pas être Jojo quand ils vont passer l'attaque, je pense. Non, mais en général, ils attaquent déjà avant, quoi. Ça me dérange, cette tache rouge, là, au fond. T'as pas des canons, par hasard, qui traînent? J'en ai un. Bah, vas-y, va détruire cette merde, là-bas, en bas. Ouais, moi, je vais amener mon explorateur, parce que ça me dérange. Ah, tu dis le truc à côté de ton... Le machin indien là en bas. Ouais. Ça me dérange ce truc, c'est affreux. Cette tache rouge derrière chez nous. J'ai. On sait jamais si c'est des troupes ou. On se fait attaquer. Tiens, on se fait attaquer, ouais. Plein face. Ça va. C'est là où il y a la fuite de défense. Il a raison. Couillon. À droite aussi. Hein. Il attaque où là? Là où il y a la moindre défense, bien sûr. Non, je vais rentrer mes paysans. Ouais. J'envoie mes hommes. Il va se précipiter dessus, hein. J'envoie mes quelques hommes que j'ai là. Ouais, ça devrait suffire, je pense. Il fait quoi ton explorateur là? Il va juste. Bah, tu vas attaquer ton compteur tout seul comme un grand. Allez, oula. Putain.
Je me disais bien aussi, ça faisait longtemps qu'il avait pas attaqué. Et c'est la première attaque en même temps. Hein. Non mais je me disais aussi qu'il aurait dû attaquer plus tôt. Putain, une tourelle. Mais... Oh. Allez, je fais ce que je peux, j'ai que 5 hommes pour l'instant. Je pourrais en faire plus. Mais je voulais juste avoir passé à l'âge 5. Allez, ça va prendre une plombe maintenant pour les détruire, c'est con. J'ai des hommes qui arrivent, mais c'est pareil. T'as mis les deux forts où, au fait, toi? J'en ai qu'un seul, puis le deuxième, il vient de sortir. Je vais l'éloigner un peu de la... Oui, de bah, en fait, tu le mettras là où ils ont attaqué, là où il y a le... Oui, oui, c'est prévu. Là où il y a le grand vide devant le moulin, hein. Ah oui, la grosse route, j'ai dit. Oui, oui. Ah là, c'est bon, putain. Ok, bon. Y'a rien qui s'est construit, là, c'est pas moi. Ça, c'est fait. Absolument personne qui nous attaque. Ouais. Qu'est-ce qui te fait dire, ça? Bon. Tu arrives avec ce comptoir là? Bon, je vais quand même amener un canon, hein, parce que... Non, laisse-le s'amuser tout seul, ça l'occupe. Il n'a jamais rien à faire, ce pauvre gars. Faut bien l'occuper un peu, ce pauvre type. J'aurais pu amener mes piquets aussi, mais j'y ai pas pensé. Ah, c'est souvent comme ça. C'est où ça attaque, là? Ah. C'est toujours mon comptoir radien qui voulait récupérer... Bah, qui l'a récupéré, d'ailleurs, maintenant. Non, non, c'est mon canon, en fait, qui... Qui aide ton explorateur. Sympa, j'apprécie. N'est-ce pas? Ouais. Ah tiens, mon comptoir. Mon comptoir se fait attaquer. C'est qui c'est l'explorateur celui-là? Mousquetaire. Il est courageux le mousquetaire, hein. Oula. Aïe, ça va faire mal. Mes piquets, attaqués. J'ai des hommes qui sont... Je les prépare un peu, qu'il y en a un peu plus parce que là... C'est pas que mes 5 bons hommes que je vais faire beaucoup de dégâts. Hein. On va les faire sortir plus vite par contre. Je vais amener mes canons un petit peu plus haut peut-être. Ouais, bon là ça va tenir. Hein. Les piquets les auront distraits un petit moment, c'est bon. Ah, ils sont encore là mes piquets, hein. Bah ouais, ils les auront distraits, c'est ce qu'il faut. Pourquoi j'ai deux paysans là qui vont là? Oh. Ok, j'ai plus de paysans du bois. Tu crois? Si, si, j'en ai encore. Si tu les cherches, c'est que t'en as plus. J'ai combien de paysans en tout là? 10, 24, 23. Ok, il me manque 2 paysans donc. Ok, bah, on se fait attaquer, hein, mais bon. Ça tient? Disons que c'est pas non plus l'attaque de la mort qui tue, quoi. Ouais, pour l'instant. Il va s'attraper, je lui fais confiance. On a vu pire. Hein. On a toujours vu pire. Oh, allez, c'est... H5, hein. Ouf. Soyons fous. Ah, il faut bien être un peu foufou dans sa tête. Je vais mettre mes canons le long de... Du haut. Ouais. Parce qu'en bas, j'ai rajouté 2 tourelles en plus. Et je vais encore rajouter des tourelles après. Hein. Ouais, moi, j'en ai déjà... Je viens d'en rajouter 2, justement. Putain, ces putains d'indiens, ils sont longs à tuer, hein. Ah, ils font chier, ils ont piqué 2 comptoirs, ça doit être celui-là et celui-là, je pense. Ouais. Enfin, moi je suis en train. Enfin, je crois que je suis en train de construire, normalement je suis en train de construire des canons là, des tourelles. Oui, oui. Oui, c'est bon, il est arrivé. C'est bon, il est. Faut le gâcher le temps, hein, ce pauvre. Mais j'avais perdu de vue, c'est pour ça que j'étais inquiet. Je me suis dit, voilà, pour ça qu'il est ce con, il a failli qu'il se fasse flinguer. Voilà, exactement. Bon, vous avez eu foutre la paix à mon comptoir là-haut. Putain, non, 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 le jeu a pas planté. Non, non, il a pas planté, sinon j'aurais planté avec toi. En général, quand on plante les deux. Arrêtez de lui envoyer des torches à ce comptoir, il vous a rien fait. Puis arrêtez de foutre des paysans tout autour du comptoir qui tirent, vous êtes cons ou quoi? On a abruti. Hola. Lore. J'avais pas construit de paysans à la base. Culé, je peux pas venir. Je sais pas ce que tu construis, pour moi. Préparado. J'ai de l'or devant chez moi, tu feras gaffe. Oui, j'ai mon paysan qui travaille déjà sur le mien, alors. Il viendra t'aider. Non. Je veux pas. Moi qui voulais être amical, puis venir t'aider un peu. Non, non, j'ai pas besoin de ton aide, je te rassure. Oh, je suis déçu. Bonjour. Putain, 1500 d'or pour cette saloperie, là. Chut, chut, chut. T'as vu.
On pique pas alors aux copains. Ouais, mais leur des copains, c'est bien aussi. Ah, parce que lui, il nous a piqué un peu plus. Il y a un de tes paysans là, oh. Bah ouais, lequel? Ouais. Putain, quel abruti. Tu vois, il construit tes canons, il nous emmerder, toi. Ah, t'avais fini? Ah, bah ok. D'accord. Je te pardonne. Tiens, il y a des paysans jaunes qui viennent chez nous aussi. Oui, il va récupérer le comptoir, je pense. J'avais peut-être réparé mon fort, hein. Peut-être, hein. Il faut que je me trouve une nouvelle forêt, parce que là, elle est déjà bien. Elle est limite finie déjà. Elle a moché, tu dis? Ouais, elle a pris un coup dans l'aile, comme on dit. Oh, du coup, je vais pouvoir mettre améliorer mes canons en canon impérial. Pas faire de mal. C'est où vous avez récupéré des moutons, bordel? Non, oh, il attaque. Beaucoup? Non, c'est mignon. Moi, c'est que des hommes pour l'instant, ça va. Ah, il y a des canons aussi, deux. Ça va, c'est gérable. Tu devrais arriver à gérer ça sans moi. Je vais peut-être rentrer mes paysans au cas où. Bah ouais, ça me paraît mieux, il est passé. Putain, foutez la paix au canon. J'arrive. Les gars, rentrez à la maison. C'est bon, ils sont morts, les premiers sont morts. Non, ils vont tous y passer là. Mais non, t'auras pas perdu un seul pour l'instant. Oui, c'est étonnant d'ailleurs. Mais non, regarde ce qu'il y a à droite. Ah ouais. Bon, j'en ai un qui est passé. Eh bah écoute, 1 sur 4, c'est déjà pas mal. 3 du marché, hein. Écoute, c'est la loi du plus fort après. Ouais. Et on arrête de tirer, il y a mes hommes aussi. Double, quoi. Ouais, mais ça va, c'est des boulets de canon qui font pas le tiramis. Ils ont bien été dressés des boulets, je suis très content. N'est-ce pas? Ça va, Telo bien fait rire ça. La gare, il mince des coups de canon là à travers le torré à rigolo. Non, non, les hommes ils ont rien. Ah bah, tiens, il y a le jaune qui arrive. Ah, aussi? En haut. Merde, c'est pas les bonnes troupes que j'ai pris. Tes hommes là. Ils arrivent, ils arrivent. Non, mais. Quoi? Tu vois mon canon là qui arrive pas à avancer? Ah, c'est moche. Ouais, c'était l'instant de bail, ils buvaient le café les gars. Désolé. C'était l'heure de l'apéro, ils ont pas vu le. C'est des hommes améliorés que tu as là? Ouais, au max. Okay. Enfin, il reste juste encore la visée améliorée. Bon, ça va, ils ont l'air de bien tirer, hein. Non, mais la distance de tir, si tu veux. Je peux l'augmenter de 50%, ils peuvent tirer de 50 mètres plus loin. Ou un truc du genre. Mais ils font déjà leurs dégâts, eux. C'est bien parce qu'ils veulent tous attaquer mes canons, mais il y a tes hommes entre eux. Ouais, t'es bien protégé. Ouais, là. Ouais. Bon, je perds quoi, 2-3 hommes à chaque attaque. Et j'aimerais bien pouvoir réparer mon fort une bonne fois pour toutes après, parce que bon. Tu dis qu'il en a pris un peu pour sa race. Uh-huh. Deuxième usine départ. Voilà. C'est bon, on arrête de tirer. Il est mort. Non, il est pas mort. On l'arrête pas de tirer. Putain, il lui a un coup de main au fort, il est trop bon à tirer. Voilà, pour une éternité si on attend celui-là. Voilà, celui-là aussi. Voilà. Allez. C'est saloperie quand même. Il y a une grosse... il y a un gros tas rouge ici. Ah ouais, c'est ça. Salut! C'est quoi? Au revoir. Rien, je voulais me promener à la base, mais. Il y a lui qui a débarqué entre le. Cassez-vous. Pourquoi? Ah merde! Viens derrière mes canons! Non, je vais me mettre devant les canons. Chut, faut que je croyais. Le seul petit qui s'était avancé, il s'est pris une balle. J'ai vu ça, ouais. On ne touche pas au canon. Tu pourrais juste abattre le canon qui est à l'arrière, hein, avant ouais. Qu'il fasse un strike dans mes hommes. Parce que lui, il a pas le tirallié. Hein. Voilà, c'est bon. Merci. Moi, je voulais chercher l'effort à la base, mais il m'a retenu. Il voulait pas que je parte sans lui. C'est bon. Ma foi. C'est beau quand même. Voilà, je vais augmenter la distance de pas de tir maintenant. On va tirer d'encore plus loin, les gars. Vous avez le droit de vous défendre hein, contre les flèches. Vous avez des fusils, les gars. Vous faites comme ça, c'est comme vous voulez, mais. Voilà, encore le dernier. Voilà. Bon, ma première idée. Où est où le fort? À la recherche du fort perdu. Ouais, moi j'ai construit quelques tourelles en plus. Enfin, ouais, j'ai vu. Je suis en train. J'ai vu. Moi je vais à la recherche du fort perdu. Oui. Pas... je vais peut-être me faire un capitole, moi. Non, moi c'est déjà fait pour une fois, tiens. J'attends encore les ressources maintenant. Ah, il y a un mec qui était passé. Je sais pas par où. Bah, c'est bien défendu, mais il a réussi à passer dans la ville. Ok.
Il est par là, le fort, je pense. On va dire qu'il a pas protégé sa... son truc, lui. Non ? Il a pas protégé ? Non. Au revoir, petit village. Oh, l'abruti. Ouais, d'accord. T'es... Ah ouais, en fait, c'est juste à côté de chez toi, c'est pour ça que t'as besoin de le protéger. D'accord. Je te conseille de t'en aller. Eh, venez les chouer, partez pas comme ça. Je peux en tuer un avant de partir. Bon, bah, il doit pas être bien loin, mais je sais pas où il est. Il a pas aimé. Il est pas joueur. Il a pas apprécié, tu dis ? Bah, disons que je trouvais ça bizarre qu'il ait construit aussi loin de chez lui, mais en fait, c'est pas si loin que ça, en fait. Ah, d'accord, je vois pourquoi John nous attaque tout le temps, il y a son explorateur ici. Ah, bah voilà. Il l'avait cherché aussi. Bah tiens, Blood Jaune qui revient. Moi je rentre à la maison, j'attends. Les petites troupes, de... les petites troupes d'éclaireurs là. Je pense qu'il y en aura plus derrière. Oui, bah c'est les éclaireurs. C'est ce que... Mais putain, ils m'ont tué ma paysanne, mais bordel. Le seul truc qu'il fallait pas tuer, ils l'ont flingué ces cons là. Oh bah je suis revenu. Ouais. Je suis parti en vadrouille, mais bon, il y avait rien à voir. Ouais. À part un petit rouge susceptible. A... Mais le mouton, t'es pas obligé de venir avec, tu fais pas partie de mon armée, casse-toi. Oh, deux petits indiens. Au revoir les indiens. Ah oui, non mais clairement au revoir là. On voit les deux... Ah, d'accord, c'était les éclaireurs. Uh-huh. Ouais bon, bah même avec ça... Voilà. Hein. Surtout que j'ai augmenté mon bataillon, il est à fond là. Non mais on arrête de tirer sur mes gaillards sinon je vais me fâcher. Bon, je vais me fâcher. Je vais avoir besoin de toi hein, quand même. Il y a des lags, hein. Non, je suis pas loin. Ouais, je l'ai entendu. Tu vas parler, puis après j'ai eu la phrase dans le casque. Non, tire pas contre les hommes. C'est des gentils, les canons. Ne tire pas contre moi. Merci. Eh merde, il m'a vu. Aïe. C'est mal, hein. Un poil. Et on se souviendra de moi comme le vainqueur. Ça va ? Ça va, les filles ? Faut juste que j'augmente un peu le son de... des paroles, parce que je n'entends pas quand il court, c'est bon. Volume de la musique, non ? Mais ça, ils s'en foutent, hein, de choses. Moi, pas, bah, j'aime bien, parce que moi, ça me fait chier de lire. Enfin, c'est pas que ça me fait chier, c'est que j'arrive pas à suivre. Voilà, tu vas construire les tourelles, s'il te plaît, paysanne, sans mourir. Elle est toujours pas réussi. Eh non. C'est con, hein. Leñadora. Si. Constructora. Constructora. Oui, je sais que tu construis des tourelles, y'a pas besoin de le dire toutes les 3 secondes. Je construis. Constructora, constructora. Leñadora. Ah tiens, le canon est sorti. Tu pourrais virer le mouton de mes troupes là, s'il te plaît. Quel mouton ? Y'a un mouton juste à côté de mes hommes. Ah, voilà. Envoie-le chez l'ennemi, mais ah, ouais. Laisse-le par là. Ah bah tiens, c'est moi qui le démène. Casse-toi, connard. On peut pas, t'es hérétique. Va te faire bouffer par les autres. Oui, nous, ils vont prendre pour bouffer, je suppose. Nous, on mange pas de moutons. Non, ce qui est cool, c'est que les 3/4 du temps, on leur envoie tous nos moutons, puis quand on attaque, on retrouve tous les moutons. Bah, c'est ça qui est chiant, quoi. On pourrait pas les garder, les bouffer. Ce que nous, on fait pas, quoi. Allez, je peux réparer mon comptoir. Hein, et... Mon comptoir n'attaque plus les paysans. Hein, bien. Je vais pouvoir explorer un peu avec les moutons. On va utiliser un peu quand même un bon essence. Qui sert quand même à quelque chose, ce con-là. Évidemment, je fais réparer mon comptoir et il y a l'explorateur qui arrive en mode hey, « Eh, je t'envoie une torche, comme ça, ça coupe la réparation, t'es content ?» Une petite torche. T'as récupéré les tourelles ici ou pas ? Non, il n'y a pas eu trop de casse. Je crois que c'est toi qui as pris, on dirait. Non, même pas vraiment. Hein. Ils ont pas le temps d'approcher les tourelles. Je trouve pas les forts ennemis, c'est bizarre. Moi j'avais dit que je voulais construire un capitole, je l'ai fait au fait. Ouais. Ah, l'espion il est à 28 000. Hein. Ouais, bah je vais faire les impôts excessifs. Hein. Je l'ai déjà fait. J'ai déjà mes deux usines qui tournent à fond sur l'or. Et même avec ça j'y arrive pas quoi. Et bah, à la prochaine attaque je regarderai l'espion. Je vais foutre un raccourci sur le capitole. C'est cher à chaque fois ce putain d'espion. Ouais, c'est parce qu'il y a beaucoup de troupes. Ah tiens, bah, il y a beaucoup de troupes arrivent en bas là. Hein. Merde, y'a rien en plus. Ah oh, putain, même pas le temps de boire un coup quoi. Alors qu'est-ce qui se passe ? Bon, ça va, j'ai déjà. Bref, c'est que des hommes. Franchement, ouais. Ne vous dérangez pas, les gars. Les chevaux, par contre, je vais prendre. C'est bien, il a envoyé deux bataillons à chaque fois, c'est cool comme il a fait son truc. Ah ouais. Bon, les paysans rentrent à la maison, hein. Ouais, au cas où.
Tu veux pas construire ta... ton moulin ailleurs? Pourquoi? Bah parce que c'est à chaque fois c'est là que tu veux les faire rentrer quoi. Oh. Tu construis vers ton truc derrière, t'as pas de problème hein. Ouais c'est pas faux. Bon bah attaquez-vous mes hommes, hein. C'est pas eux qui risquent grand chose. Oh ils m'ont eu une tourelle. Ah quand même. Si. Ah respect. Bon l'espion il a combien du coup? Oh ils m'ont tué la paysanne qui était en train de construire la dernière tourelle. D'accord, je vois où sont les francs. Où sont les francs maintenant, c'est bon. Putain elle... Tu m'étonnes, c'était caché dans tout ce bordel de jaune, c'est pour ça que je les voyais pas. Bon bah, vous avez essayé. Vous avez essayé, vous avez été vaincu. Mais mes galères sont tout contents parce qu'ils ont gagné une bataille, nous. Sur tout ce qu'il a envoyé, j'ai perdu 5 hommes. Ah ouais. Je serais lui, j'arrêterais d'attaquer parce que ça coûte trop cher au niveau des âmes. Ouais. Ouais bon là en haut, je vais même pas aller m'en mêler. Ah, il y avait un explorateur. Je dis bien AB. Je vais bien réparer ton fort là en bas. Ouais, 2 secondes, j'arrive. Putain, vous me laissez construire cette dernière tourelle là. Non mais vous allez où les gars? Je vous ai rien demandé là. Hey, hey. Restez ici. Oh tranquille les gars, il y a pas d'ennemis, il y a personne là, vous en direz dedans. Hein. Bon, je reviens dans 5 minutes. Bien. Ah. Non, c'est bon là. Ça tient. Bien, bien, bien. Oui, tout va bien. Vous voulez encore attaquer longtemps là en bas juste parce qu'il y a des paysans? C'est ce qu'on fait. Mes commandos, c'est d'aller couper le bois là en bas hein, parce que sinon il fait chier. Bon, ça passe. Ça passe, on va dire. On espère. Putain, il a réussi à attaquer mon... Alors, tes paysans du bois sont morts, hein. T'as qu'à par en haut, c'est-tu con? Ouais.
Alors, mon bataillon, hein, comment est-ce qu'il va? Ça va, j'en ai perdu que 9. Ouais, mais en haut, il faut réparer tes tourelles, hein, vraiment. Y'en a aucune qui a pris l'idée. Ah, si, celle-là. Ah, quand même. Ah non, non, là, il attaque, hein, il... Ah bah, il est là pour ça, hein. La motivation, là, hein. Alors, puisqu'il aime bien attaquer par en haut aussi, attends bien, j'ai une petite surprise pour lui. 32, elle est pas encore assez grosse, la surprise. Si. Allez, récolter de la bouffe plus haut, s'il vous plaît. Du coup, il faut que je fasse mes paysans du bois ou est-ce que j'en ai besoin de bois? Ouais, bon. J'en ai encore 3 qui sont en vie, c'est bon. Il y a aussi une tourelle en bas que tu peux réparer. Non. Si, si, en bas, près de mon fort. Enfin, près de ton fort en bas, à droite. Alors, à droite, j'ai aucune de mes tourelles là. Non, mais à droite sur la carte? Oui, bah justement, si tu regardes à droite sur la carte, il n'y en a aucune des tours. Hein. Attends. Celle-là, elle a rien. Ouais, alors elle a un dégât en moins, celle-là. C'est celle-là? C'est celle-là, oui. Alors, c'est à gauche de mon fort, si jamais. Non, mais putain. Hein, et c'est à gauche sur la carte aussi. Oui, ben je crois qu'on n'a pas la même définition de gauche et droite. Hein. Ouais, on est carré de camp puissance là. Enfin, le Perceval en l'occurrence. Tu l'as fait l'espion pour finir ou pas? Non, pas encore. Il attaque le moment, fais gaffe. Ah ouais. Enfin, fais gaffe, je vais y aller moi-même. Je serai plus vite là-bas de toute façon. Il y a un indien qui s'est perdu en bas. Ah, c'est un indien dans ma ville, ça arrive. Oh là là, tu dois avoir honte. Pourquoi? J'ai les bonnes références. Ah tiens, il s'est décidé à remarquer que tu avais des hommes. Oh dingue, c'est quoi? Oh merde, il y a beaucoup d'hommes quand même. Ah ouais. C'est la merde pour lui là. Ah bah j'espère bien quoi. C'est sûr que mes hommes sont plus puissants que les siens, alors... Bon, l'espion, il a combien, du coup? L'espion? Ouais. Je sais pas, moi, je l'ai déjà fait, alors je pourrais pas te dire. 21 000, putain. Ça va encore. Eh ben là, ça baisse. Bizarrement. Attends, ça va baisser encore dans un petit moment. Pourquoi? Il y a le rouge qui va bien mettre une deuxième couche. Où ça? En bas. Vers là, vers mon fort. Du bas. Ah ouais? Je vais peut-être ramener mes canons, alors. Si ça pouvait arrêter de laguer pour rien aussi. Ça lag pas chez moi. Hein. Ah oui, il arrive. Premier homme rouge. Feu. Alors ça c'était un assassinat mais purée simple alors. De quoi? Le petit homme qui arrive bon tout seul. Et là il y a mes canons qui arrivent. J'ai l'avantage sur vous. Ouais, c'était planqué derrière les tourelles en plus. Oh, si tu le strike. Là elle vient de me dire visiblement j'ai l'avantage sur vous. Bonne nouvelle. Ok. Là, visiblement, elle se prend un strike dans la gueule. Ah ouais, non, mais je sais pas ce que c'est l'avantage pour elle, en fait. C'est se faire péter la gueule? L'avantage du nombre. C'est vrai qu'elle est bien plus nombreux que nous, mais... Oui, mais bon. Et encore, plus nombreux que nous... Ouais, les hommes, il faudra peut-être en faire, quand même. Hein. J'en ai refait, mais ils sont en haut pour l'instant, ils protègent le haut. Il y a l'autre bataillon qui est en train de sortir en bas. Gentiment. Je vais peut-être réparer mon fort, aussi. Peut-être, hein. Alors, l'espion... Je vais strike, là. Je sais pas, moi, j'attends que l'espion, il... À mon avis, tu vas pas pouvoir le faire pour l'instant. Bah, j'ai 20 000 d'or, mais putain, ça monte pas quoi. Les espions ils remontent à chaque fois. Bah, oui, parce qu'il fait des troupes à chaque fois, il va pas rester sans troupes. Eh, on arrête, merci. Un coup, je vois les assauts souffler sur place. Pouf. Alors, du coup. Ce putain d'explorateur qui vient attaquer mon comptoir toutes les 3 secondes et qui fait sonner l'alarme. C'est chiant, hein. Ouais. Bah, je suis con, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux sortir des armes au fort aussi, j'ai oublié ça. Bah oui. Putain, il y a du jaune là, hein. Non, ça va. Qui attaque ton comptoir indien. Oui, juste, c'est normal. C'est pas la première fois qu'ils essaient. Non, non, mais... Va pour... Ah oui, j'ai vu. Je sais, hein. Moi, j'ai l'espion, moi. Preparado. Lore. Cazador. Mais ça, avoir déjà l'espion. Mmh. Il y a deux putains de moutons jaunes, je vais les chercher, c'est des cons, puis les faire partir d'ici. Je pense à chaque fois pour les troupes. Il y a aussi un explorateur qui est perdu chez nous. Puis alors,
T'es content, t'as récupéré mes indigènes. Tant mieux, je vais te défoncer la gueule dans pas longtemps. Il arrive en haut. Ah ouais, j'ai vu. Qui viennent. Je vais laisser nos tourelles s'amuser un peu là-dedans, parce que y a quoi faire des strikes là. Non mais y'a que les canons qui font des strikes en fait. Ouais ouais. Les tourelles ça marche pas. Non mais restez là, c'est pas le bon bataillon, excusez-moi, je vous ai pas sélectionné les noms. Bon bah restez là, ils viennent sur vous. Genoux à terre et faites-vous plaisir. Ils viennent sur vous, pourquoi se déplacer franchement? C'est vrai. Je sais pas, y'a quelques pecnos qui sont autour de ton fort qui vont lui faire du mal. Hein. Non. Hein, quoi que. Si si, ça lui fait bien baisser la vie quand même. Hein. Allez, on y va charger exactement comme vous dites. On va les faire baisser un peu ce niveau jaune. Là il va y avoir un trou dans la couche de jaune. Eh oui. Ouais oui. L'absence de rire m'indique que cette blague est à chier. Exactement, alors elle... Plus mauvaise que celle. T'en as fait des merdes, hein. Ah, mais ouais. Celle-là elle était grosse. Hein. Ah oui, bah oui, quand même. Hein. Si. Bon, je vais remettre des tourelles là-haut, moi. Hein. Si j'ai le temps de les construire. Tiens, j'ai pu le faire. De quoi? Ah, tu bloques les ingles. Ah. Y'a le rouge qui attaque, fais gaffe. Ouais, ouais. Bah, c'est nous en deux bataillons qui l'attaquent. Ouais, c'est ça. C'est moi, ils utilisent pas du tout de canon cette fois-ci. Oui, c'est possible. Ça me dérange pas, hein. Non, moi non plus, mais ça me tient plus longtemps comme ça. Ils arrivent même pas à passer. Oh la vache. Ma paysanne, casse-toi. Ils l'ont flingué. Oui. Elle était en route pour aller construire des tourelles, tranquille. Passez là, et puis voilà. Non mais vous allez où, les mecs? Non mais ils vont où, là? Non mais... Non, y a pas une défense, là-bas, putain. Ah, il est pas fou, là j'arrive, je vais le retenir. C'est bon, il m'a vu. Il va me voir aussi, je vais le dire, il va me sentir. Je vais le mettre devant, comme ça, il ira pas vers ta défense. Oui, si tu veux attaquer le comptoir indien que j'ai piqué avant, et mon explorateur, en l'occurrence. Merci, sympa. Vous avez rien fait, lui. Les mecs, regardez derrière vous. Moi, je dis ça. Regardez bien les canons qui déployent là. Voilà. Ah, c'est toujours aussi drôle. On l'a vu, on aura fini avant que tes canons soient déployés. Ah non, ils ont quand même tiré un coup. Ils ont déjà fait un strike avant. Hein. Ils se sont bien amusés. Voilà. Bon, bah, du coup, vous allez rester là. Je vais vous renforcer un peu avec des troupes, mais c'est tout quoi. Bah, je vais vous renforcer avec cela là. Vous venez ici en bas, ça va faire le bataillon ceci, il va rester ici en bas tout seul. L'espion. Putain, vas-y. Manque combien? Je suis à 25. Il est à 25 875, je suis à 25 300. Ah non, pas beaucoup, c'est bon, tu y es bientôt. Ouais, mais ça va augmenter. Oui, mais ça va rebaisser. Oui. C'est ce qu'il faut te dire, ça monte et ça descend. C'est comme une montagne russe. Ah bah tiens, ils sont décidés à détruire mon comptoir pour de bon pour une fois. Ah quand même. Ils en ont eu marre là. Ah, c'est pas comme si j'en avais absolument plus besoin, hein, mais... Très bien. Presque. Bon, du coup, toi, t'arrêtes de couper du bois et tu vas aller construire les tourelles. Vous allez faire quoi? J'ai détruit votre comptoir. Vous allez faire quoi? Rien. Je m'en prends. Oui. Complètement, voilà. Voilà, restez ici, genoux à terre, et s'ils approchent, vous flinguez. Alors, genoux à terre, c'est juste pour pas qu'il bouge de position, quoi. Moi, j'aime bien. Mm-hmm. J'aime bien qu'il reste sur place, pas qu'il se déplace tout le temps, c'est con. Ah bah tiens, mes canons sont au bon endroit, pour une fois. Quoi, ce canon attaqué? Oui. Oh, ça va, j'ai déjà les hommes là-bas. En même temps, il attaque pas le fort, c'est là où les hommes sortent, alors... Bah oui. Oh, il y a des canons, c'est facile. Ouais. Attaquez les canons, les gars. Laissez pas se déployer, voilà. Ils sont dans la ligne de tir de mes canons. Mais les archers font pas plus mal que les canons, quoi. C'est ouais. Impressionnant. Tu sais, vous êtes les gars, vous avez droit de vous défendre. Hein. Y'a des archers qui vous tirent dessus, vous êtes projet d'attaque qui vous flingue. Hein. Non, le chef nous a dit de pas bouger. Alors... Non, ceux-là ils ont le droit de bouger. Tant que le forme. Tant que ah, bah, évidemment que le jaune allait attaquer, puis le moment où je voulais construire mes tourelles, c'est logique. Hein. Vous êtes où vous? Qu'est-ce que vous faites là-bas au fond vous? Ah là là, nous étions pour la paix rose, hein, je vous le donne l'ordre. Hein. Non, c'est pas vrai. Hein. Ah là là, c'est l'alcool, je te jure. Non mais à chaque fois que je veux construire ces tourelles là-haut, tu sais qui arrive. Oh putain! Quoi? Mon fort! Putain!
T'as foutu quoi? Tu l'as pas construit? Mais putain, si, j'arrêtais pas de... Ouh, ça va chier. Ou alors là... Ouh, ça va chier, les mecs. Oh, du coup, je sais où mettre, c'est bien. Oui, tu te mets à la place du fort. Voilà, ça prend un peu plus de place pour mes armes. Bon, on a quand même fait un gag 5, hein. Ça commence à me faire chier, là. Tu vas où avec ton cheval, toi? Non, mais... J'ai détruit votre comptoir. Vous allez faire quoi? Le comptoir, à la limite, on s'en tape. C'est le fort qui me dérange. Voilà. Vous, là. C'est... Putain, il fait quoi, le cadavre, là, dans la tourelle? Je sais pas si t'as vu. Non, je vois pas. En haut, là, où il y a les tourelles qui doivent être construites, là où t'as placé tes hommes. Ouais. Il y a un cadavre qui pétait un plomb. Ah, c'est qu'il était pas content de sa situation actuelle. Je peux comprendre, être mort, c'est assez chiant. Ah, c'est mort, hein, c'est mortel. Tu sais que t'en fais des pires que moi, là. Non, non, c'est pas possible de faire pire que toi. Si, si, c'est possible. Voy a hacerlo, granjera. Bon, du coup, je peux avoir l'espion maintenant, c'est possible? Oui, putain. Ah bah voilà, je vois toute la carte. Tout de suite, c'est plus simple. Tout de suite, hein. Bon, pour une fois, on a un peu... Il s'occupe un peu de nous, quoi, pour une fois. Voilà. On n'est pas laissé pour compte, quoi. Ouais, bon, en fait, ça dépend des parties. Des fois, ils s'en foutent, hein. Puis des fois, ils sont super agressifs, quoi. Voilà. On a la peine à les contenir dans un temps, mais alors des fois... Là, ça va. C'est un mix entre les deux. Là, ça va, y a pas trop de canons, pour une fois, aussi. Hey. Bah, ce bordel, quand il se met avec les canons... Ah, ça fait mal, hein. Allez. On va faire de la place pour l'armée. Ah, moi, mes canons se construisent plus tout à l'heure, hein. Voilà, licenciement abusif. Ouais. C'est surtout tuerie abusive. Oui. Ah oui, je vois tes bâtiments qui se détruisent, là. Ouais, j'en ai plus un, alors autant les détruire. J'ai juste un peu construit sur ce bâtiment-là. Et ça là. Voilà. Et j'adore, parce que c'est le jaune qui m'a détruit mon comptoir, mais c'est le rouge qui va reconstruire chez lui. C'est logique. Pourquoi pas, hein. Écoute, on va pas se plaindre, hein. Ils travaillent déjà ensemble. Ah, y'a le jaune qui revient. Bien, en petit, bien. Tu verras, le fort était dangereux, mais mes hommes, tu les connais pas encore. Ouais. Mes hommes, c'est 50 coups qui tirent. Tu veux qu'ils se rapprochent un peu pour ça? Non, en fait, bon. Mettez-vous ici, genou à terre, s'il vous plaît, hein, quand même. Voilà, rien, tu vois, là, il a décidé que non. Hein. Se faire flinguer par les tourelles sans rien répliquer. C'est plus intéressant. Bah écoute, si ça lui fait plaisir, je vais pas l'empêcher, moi. Hein. Moi non plus. Là, je vais mettre des baïonnettes à mes fusils, tiens, ça peut être une bonne idée, ça. Il voyait pas bien tes fusils. Non, mais avec une baïonnette ou le canon, c'est toujours mieux. Hein. Ah bah, ça marche mieux que le fort, hein, j'ai envie de dire. Ouais, parce qu'il n'y a pas un seul boulet qui part, j'ai 50 coups qui tirent, hein, quand même. Si ça arrive pas à approcher mes hommes, c'est bien triste. Là, il y a les tourelles qui aident aussi, et puis bah, c'est un merde pour moi. Là, il m'a tué quand même pas mal, hein. 4 pour l'instant, 5. Ouais, sur combien? Sur 50. Ouais. Et ça fait quand même pas mal d'hommes, hein, qui partent à chaque fois. Ouais, comparé à lui, combien il en perd? Ah putain, il y a le rouge qui revient à l'attaque. Ouais. Allez, il y a beaucoup de chevaux, amour. Mais bon, là, nous, il attaque, il tombe plein dans une tourelle. Il y a mes canons qui tirent aussi depuis derrière. Hein. Là, ça tient. Oh, c'est déjà fini. Wow, combien j'en ai perdu? Tout 5 à chaque fois. Il arrive pas à en tuer plus que 5. Je sais pas où il veut aller, là. Il va où? Je sais pas, parce qu'il y a mes hommes qui le retiennent. Si, si, si. Les gars, dans la maison. Tiens, mais il est chiant ce mec, hein. Putain, mais merde! C'est bon, il pourra pas les tuer plus. Ah, bah, ouf. Ouf. Même lui, il le sait pas. Ouf. Flinguez-moi ce canasson de merde. Mais il est déjà mort. Ressortez. Mais il faudrait tout aller en bas, là. Non, je vais le laisser là, mes hommes. Non, c'est un peu foutoir. Tu le mets dans l'interstice, tu mets tes hommes ici. Là. Non, non, je les ai mis là avant. Ah ouais? Ouais, là je me mets pile devant, comme ça, ils ont 50 bonhommes à passer avant de pouvoir rentrer. C'est sûr que ça fait beaucoup de bonhommes. Playmobil. Pourquoi Playmobil? Je sais pas, c'est les bonhommes, ça m'a toujours fait penser à ça. 6, ouais. Ça va, ça va le faire. Je suis à 137 sur 200 là, les canons. Ah, t'arrives bientôt, bon. 144. J'en ai moins les 5 les gars, partout ça. Oh
Non, maintenant il faut que je fasse l'intérieur de toutes les tourelles, des fois qu'il n'y ait pas des connards qui sont restés bloqués dedans. Alors là-dedans il n'y en a pas, là-dedans il n'y en a pas. Mes commandos, putain, je sais pas, qu'est-ce que tu vas faire toi? Mourir. Tu vas couper du bois. Mourir est un bon plan en soi. Non, moi je suis pas un sadique. Moi non plus, je fais de la place pour avoir plus de troupes. C'est pas la même chose. Faut pas confondre sadisme et réalisme. Il y a un homme là-dedans, non? Préparado. 2, 3, d'accord, c'est où le 3? Non. Je sais qu'il y en a qui se planquent dans les tourelles là. Bah, tu fais simplement voir s'il y a quelqu'un qui bosse ou pas, puis tu... Non, ça marche pas quand ils sont dans les tourelles, ça te le dit pas. Ah bah ça, c'est des... t'as une troupe de con. Faut pas se cacher, faut aller à l'attaque de toute façon. Non, bah j'ai personne dans les tourelles en fait, je crois que j'en ai perdu vraiment autant que ça. Il y a le jaune qui essaie de passer par en bas maintenant aussi. Ouais, il sait pas à quoi il s'attaque lui. Non, surtout que lui il a que des hommes. C'est ça qui fait plaisir. En fait, c'est ton comptoir indien qui l'intéresse. Putain. Allez, je vais envoyer 4 hommes pour le tuer. Ça devrait suffire. Non, non, c'est bon, il passe à côté, il s'en fout. Mais non, il s'en fout pas, il va droit sur mes hommes. Je vais quand même en envoyer 4 pour le faire revenir par là parce putain, que. Putain, mais paysans, mais non. 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 C'est bon, il y a mon comptoir qui l'a attaqué avant. Moi, je vais lui filer un coup de main avec mes 4 peu de bons hommes que j'ai amenés par là. C'est cool, ils sont tous occupés sur le comptoir, je vais tous les flinguer. Avec 4 hommes, je vais tuer toute une armée. Ah, c'est bien triste. Vous êtes nuls, les gars. Vous êtes vraiment cons à rester là. Non, non, mes paysans, ils n'y passeront plus, là. J'en ai marre. Moi, mes paysans, je tiens leur survie. Ah, puis il y a le rouge qui attaque aussi. Attends, je suis en train de détruire une armée avec 4 hommes, alors attends, je me mords déjà avec ça. Tu peux. Oh, sérieux, j'aurais honte. Y'a ta tourelle tout en bas là, qui a pris des légers coups. Voilà. Je vais voir celle-là, il y a pas mal de qui ont pris des bunches. Ouais, celle-là qui a pris un petit buff. Quoi? Mais oui, tu me l'as détruit. Puis moi, je suis en train de détruire le reste de l'armée avec mes 4 bons hommes. Je crois pas que vous avez pas qu'il y en a cassé. Ça y est, y'a tes hommes qui s'amusent. Oui, pas attaquer les 50 hommes à l'arrière, t'as raison, 4 c'était déjà mortel, mais 50 c'est vrai que c'est moins mortel. Ouais, et t'as eu ton comptoir, hein. Oui, je sais, mais... Putain, j'ai un ours qui m'attaque. Oh, je comprends pas. Oh, il bouffait par un ours. Putain, de connard de bestiole, là. J'ai plus rien s'il y a le jaune qui t'attaque, quoi, merde. Et voilà, je vais me faire bouffer mes hommes par un ours. Bon, on va flinguer ces ours à la con. Waouh, en haut, ça... Ah, ça déménage pas mal, hein. Putain, tu bon, survis, là. Sans problème, alors. Ouais, j'ai perdu un peu plus d'hommes que la dernière fois, c'est vrai. Mais quand même, hein. Ah, il met le paquet, là. Il hein. donne, hein. Oh putain, il va falloir refaire des hommes, là-haut, hein. C'est prévu, ils sont déjà prêts à l'arrière, t'inquiète pas. J'ai le bataillon qui est prêt à les remplacer. Ah, il y a l'explorateur dans le tas, en plus. Ah, c'est pour ça qu'ils sont en charge. Il est plus con pour amener son explorateur au combat. Maintenant t'es seul l'explorateur, tu vas faire quoi? Bah voilà, tu vas faire ça, tu vas mourir. C'est ce qu'il fait fameux. Schneebzer, ne me va sans chier. Bon, mes 4 bons hommes, vous êtes bien efficaces. Retournez là-bas en haut. Non mais tu crois franchement, je vais t'essayer de construire un comptoir ici, toi. Et... il amène ses 2 petits paysans, allez hop, tranquille. Hein. Déjà, il y a 3 paysans, 4 hommes, qui c'est qui va gagner? Il y a un explorateur avec. T'es en train de gagner, bizarrement. Là, il y a des chevaux aussi. C'est pas grave, c'est des chevaux. Non, mais... Non, 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 c'est grave. Allez, il y a un peu trop de chevaux, cassez-vous. Ramenez-les vers les tourelles. Oui, c'est ça, suis-moi, t'as raison. C'est pas dangereux, suis-moi. Non, viens, toi. Viens ici. Trouilla. Ta fiole. Ah ouais, vous préférez attaquer un explorateur tout seul, hein. Bande de lâches. Il retourne derrière avec ses gaillards. Ah, t'as reconstruit ton comptoir. Ouais, donc j'ai une arme de plus. Flingue-moi celui-là, toi, flingue-moi le cheval. Ah, tu le veux celui-là, mais tu l'auras pas, hein. C'est le mien. Oh. Oh, d'accord, je te le laisse. Un homme, il a eu aucune chance. Bon, du coup. Constructeur. Oui. Très bien, votre ordre. Recollecteur. Bon, tu le veux ce comptoir ou tu le veux pas? Décide-toi voir une bonne fois pour toutes. Non, il veut pas.
Il sait pas. Si tu le veux, tu me dis, je viens avec mes hommes, puis je le défends, sinon je me casse. Voilà, je remplace mes hommes cassés par les nouveaux. Je crois que c'est pour ça qu'il le dit pas. Mes hommes cassés, c'est pas des objets, hein. Ah, ils étaient un peu faibles, lui. T'as repris des forces? C'était le moment, toi. C'est déjà un moment que tu viens de mourir. Où le rouge, là? Ah, il veut aller prendre un bain avant de venir? Non, il va chercher les autres troupes. Hein? Parce que j'en ai flingué 5 chevaux, tu te rends compte? Ok, alors. 5 chevaux qui peuvent faire la différence dans une bataille. Bah, je te dirais, avec tes hommes, c'est un peu ça. Oui, parce que mes hommes sont améliorés au max, les siens, ils sont pas améliorés. Non, c'est de la merde. C'est du menu fretin comparé à mes hommes, presque. Ouais, en expert, je sais pas. Est-ce qu'ils ont ce réflexe? Bah, il faut aller voir leur carte, mais je pense pas qu'ils aient ce réflexe. Hein. Tu sais, le paysan français qui est bloqué avec son ours, là, il pourrait se barrer, hein, l'ours, il est en mode, mais non, mais je m'en fous, en fait. Alors, si tu vas regarder ses cartes, hein, moi, ce que je suis en train de faire chez le rouge, ouais. Il a au moins, alors, qui a 2, 5, 10, 9, 19 paysans, ouais, une vingtaine de paysans qui peuvent aller chercher, donc ça sert strictement à rien. Voilà, ces cartes ne servent à rien du tout. L'autre, il a quoi? Beaucoup de bouffe, mais rien d'autre, quoi, rien qui sert. Je vais aller regarder les autres, Henri le navigateur. Ils sont niveau 101 quand même, ces enculés. Hein. Ouais, ils ont pris notre niveau, c'est tout. Il y a quand même un ours qui a survécu. Oui, histoire. Oui, mais du coup, c'est ce que je disais, le paysan français, là, il pourrait se barrer. Hein. Voilà, l'ours est mort. Mais le paysan français se barre quand même pas. Pff, il est bien sur son caillou, je vais le laisser. Il est au moins en sûreté, lui. S'il rejoint mais... les troupes... Tant qu'il n'y a pas un explorateur qui vient creuser devant lui, il peut rien faire. C'est connu, hein. Il manque 10 hommes ici. On les remplacer. On les perdu 10. Je sais bientôt le nombre max de canons, moi. C'est dommage que ça prenne aussi long à faire. On a le temps, hein. Comme ça, tu pourras tester ton nouveau processeur avec ça. Ouais. Là, une heure de vidéo, ouais, je vais pouvoir tester un peu, ouais. Une heure x 2. N'oublie pas que ça fait x 2. Bah oui. En plus. Tu vas vraiment pouvoir le tester, là. Je crois qu'on nous attaque. Ouais. Ouais. Une pseudo-attaque. Il a envoyé 5 chevaux quoi, pour nous attaquer. Non, le rouge, je dis. Ouais, il a envoyé 10 chevaux. Un peu plus. Quand même, regarde quand même, ça fait une longue traînée. Hein. Ouais, mais moi j'ai remplacé mes hommes. Ah ouais. Ça, il le sait pas encore. Il va le découvrir, c'est ça. Oui, bientôt. Ah bah tiens, il y a le jaune qui avait envoyé des éclaireurs, je crois. Non, je crois que c'était son armée. Ok. Non, le jaune, il a les troupes encore à l'arrière. J'ai le temps, je vais réparer la tourelle entre deux. Hein. Pourquoi vous vous barrez, les gars? Restez là. N'ayez pas peur, c'est qu'un canon. Je sais que vous aimez pas ces canons-là. Je peux le comprendre en soi. Mais t'aimerais te faire tirer dessus par un canon, toi? Pas par ceux-là. Pour ceux qui ont de l'artillerie, oui, parce qu'ils font pas mal. Ouais, bien sûr, parce qu'un boulet de canon d'artillerie qui t'arrive dans le bide, ça te fait rien. Non, c'est prévu pour l'artillerie, pas pour les hommes, ça me fait pas mal. Faudra tester cette théorie dans la vraie vie, je pense, quand même. Ah, mais franchement, tu tires avec un boulet d'artillerie contre mes hommes, c'est limite si je joue pas au foot avec. Ouais. Mais tu tires avec un canon anti-homme, là, bizarrement, ils aiment moins. Mais boulets de canon, là, ils font pas mal de strikes. Hein. Et bah là, tu vois, c'est l'anti-artillerie, et puis putain, hein. Non, ça, c'est des lambeaux. Non, mais ça fait très. Aïe. Ouais, ils font mal à tout le monde, ceux-là. Même à mes hommes, surtout à mes hommes. Et putain, il m'en a flingué 8. Ah, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Ah, faut toujours que je les remplace, ces pauvres gars. Pauvres types, ils ont rien demandé. Vous êtes prêts? Vous êtes sûrs? Là où je vous envoie, je sais pas si vous êtes... C'est pas Jojo là où je vous envoie, les gars. Pour une fois, ils n'ont pas construit leur fort à 10 000 km de chez eux. Non, bah non, parce qu'ils sont construits tous les uns sur les autres aussi. Ils sont très près de chez nous en même temps, alors... Oui, bah non, on a construit ensemble. Au moins, notre technique à nous, elle marche. Bon. Ah ouais, ok. En fait, ils m'ont la flingué plus que ce que je pensais. Ils m'ont flingué combien? Un peu plus que ce que j'aurais espéré, tu vois. C'est pas grave, on les remplace. Ah, tu bouges toi. Ouais, je bouge juste devant les tourelles en fait, parce que là j'ai assez de canons pour pouvoir survivre à n'importe quelle attaque. Reste derrière. Non, je vais tous les rassembler puis les foutre là à côté du fort. Ah, là je suis ok maintenant. Évidemment, il y en a un qui a pas réussi à passer les tourelles. Il y a toujours un con dans l'histoire. Ouais, tu vois, je les mets ici. Non mais toi, là, derrière, vas-y. Excusez-moi. Tu fais le tour, tu viens. T'as vu le nombre de canons que j'ai? Ouais, une attaque de cheval, y'a plus rien. Non.
Oh putain. Ça va le hockey? Ça lui prend pas, j'ai envie de dire. Voilà, premier strike des canons. Et puis j'amène toujours les nouveaux avec, hein. Ça va pas encore fini, là. Non, mais il y a les dernières troupes qui arrivent, là. Ça va bien me faire rire, d'ailleurs, où il attaque. Oh, l'abruti. Oh, regarde ce qu'il amène sur mes canons. Pourquoi t'attaques un pauvre loup qui t'a rien demandé? Je sais pas. Heureusement que mes amis se restent en temps. Ça va, c'est pas ça qui allait tuer, hein. Une grosse attaque en haut. Aïe. Ça, c'est toi qui gère, hein. Ouais, merci. Mais non, mais de toute façon, le temps que j'amène mes canons, les hommes les auront déjà tués. Ah oui, non, ça c'est clair, il y aura plus rien du temps que t'arrives, ça c'est clair. Mais ils prennent quand même pour leur race, c'est pour plus là-haut. Enfin, pour. Ça va, quoi, j'en ai pas du cuit comparé à ce que lui l'a perdu en face déjà. Ouais, pourquoi ça lag? Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être 150 hommes qui attaquent 50 autres pauvres gars. Ouais, et que je tiens, c'est ça le plus drôle. C'est possible. Voilà, vous vous placez ici. Il y a quelque chose qui a été détruit là. Ouais, une de détourée. Ouais, mais je vais pas reconstruire, hein. C'est bon, merde. Canon, je t'ai pas dit de bouger, tu restes ici. Putain, il s'amuse, hein, le jaune là. Oui, il m'a suivi mes deux hommes. Ouais, puis du coup, il tombe sur mes canons. C'était un peu l'idée, c'est qu'il foutait un peu la paix à mes hommes, quoi. Ouais, il va falloir en refaire de nouveau pour toi, hein. Ouais, je sais, c'est prévu. Ça va, il m'en a tué que 12. Ouais, t'as annihilé la forêt à toi tout seul, mec? Putain, je suis impressionné. Il m'a tué que 12 bons hommes. Et lui, il a perdu une armée tout seul. C'est beau, quand même. Hein. D'une certaine manière, mec, je suis impressionné. T'as annihilé une forêt à toi tout seul. Ça va, hein. Ça va, il s'appelle pas trop le gars. Peut-être que tu mettes plus d'hommes là-haut. Pourquoi en mettre plus? Sur 50, il m'en a tué 12. Ouais, bon, ok. C'est juste que ça a l'air très impressionnant à chaque fois, puis qu'on a l'impression que t'en perds plein. Non, j'en ai pas du 12 là, hein. Je suis à 22. Je suis à 32 là. Enfin, 31, je crois. Ouais, enfin, ça dépend ce qui calcule, quoi. Ça dépend comment il calcule, il calcule pas toujours la même chose. Tiens, il y a un explorateur mort, c'est pour ça qu'il attaque toujours ici, cet abruti. Voilà, regarde-moi ces canons là, magnifique. Alors, il manque encore 3 hommes ici en haut. Voilà, restez comme ça, les mecs, ne bougez plus. Posez pour la photo souvenir. Allez, les canons, maintenant vous allez sortir ici. C'est où que ça tire nos. Putain, il y a le jaune qui revient, hein. Ouais, il cherche, petit. Motivé, hein, le con. Ah, il y a le jaune et le rouge. Ouf. Ouf. Les deux en haut, tu veux que j'amène les canons? Non, laisse les gérer. Je veux justement les tester un peu, ces gars-là. Ouais, mais pas qu'on perd débilement, quoi. Oh non, j'ai assez de troupes derrière, faut les remplacer, si jamais. D'accord, ils ont décidé de s'allier. Ils ont décidé d'être moins cons, tiens. Ouais, il y a un rouge qui était perdu, puis qui a essayé de passer par l'autre côté. Ça passe? La journée n'est pas déjà finie, il y a le rouge qui arrive pas derrière. Putain, violent quand même, hein. Mes hommes, ouais, je suis d'accord. Tout est violent, là. Non, mes hommes sont... Il va où, le rouge? Il va où? C'est une distraction. Voilà. Ici, il a essayé de passer par ailleurs. T'inquiète pas, j'ai une surprise pour lui. Il a pas vu que j'avais deux bataillons de chaque côté. J'ai rassemblé mes troupes? Non, ça c'est juste un petit bataillon. Voilà. Non, c'est là, moi qui l'a dit, vous avez rassemblé vos troupes pour nous permettre de toutes les décimer. Quelle délicate attention. Ouais, t'as vu ce que c'est mes troupes, connasse, ça? Bon, bah tu vas perdre ton... Non. Ton moulin. Hein. Des mecs dans le fort. T'as raison, mets les cibles là-dessus, quoi, merde. Allez, les canons en priorité. C'est le plus dangereux, c'est les canons, le reste on s'en tape. Oh, est-ce que je peux faire un blocus, moi, tiens? Ah bah oui, je peux. Allez, hop. J'ai jamais trop su à quoi ça servait, mais bon. On l'a toujours fait. Putain, le rouge, là, qui... Pas beaucoup de défense, là, au moins.
Oh putain, plus que ça, ça tient. Ouais, mais là, tes hommes. Ils en ont pris un peu plus cher pour leur grade, mais au pire, je les remplace. Il y en a plus ? Ouais, t'inquiète pas, il y en a toujours. Quand il y en a plus, il y en a encore. Ah, regarde. Il y a pas besoin beaucoup plus pour aller tirer une armée hein, chez moi. Ouh, bon fort, il a rentré, j'allais pas rentrer. Ouais, et puis mes hommes, ils sont encore dedans, donc voilà. Adieu mes paysans. Flinguez-moi ce putain de canon. Eh ben voilà, adieu mes paysans. Hein. Voilà. Voilà, au revoir, je m'en vais. Ah, j'ai juste pas réussi à le défendre, excuse. C'est pas grave. Non, foutez la paix aux paysans. Viens, viens mes hommes. C'est ce que je fais. Moi j'y tiens des paysans. Il est pas français lui, il se met pas en grève pour un oui ou pour un non quoi. J'ai un peu cher dans mes jeunes quand même. Et là il a vraiment donné la... Ah là il a été un peu plus intelligent. Bon ma foi t'as pas bien ton deuxième fort. Enfin non c'était bien celui-là. C'était bien. Ah c'est marrant, c'est marrant. Voilà, je vais aller reprendre mon moulin là, hein. Putain! Ah bah non. Ah bah non, je joue bien canon. Bon. Je vais reconstruire mon moulin à l'intérieur. Hein. Ouais, moi je sais pas pourquoi t'es venu te foutre là dehors déjà. Parce que d'habitude il attaquait pas par là. Oui bah il l'a vu, il a voulu attaquer. Mais pourquoi? C'est un moulin, bordel! Oui mais c'est... Dans une attaque, quand tu attaques quelqu'un, tu attaques d'abord les ressources. C'est logique. Oui, mais les ressources là, j'ai 27 000 de bouffe, même en me détruisant mon moulin. Mais ça, il est pas censé savoir, t'as autant de bouffe. Là, pourtant, si, j'en ai autant. Ah, mais. Putain. Toi, va rejoindre le bataillon là qui a perdu les hommes déjà. Puis on va en faire, c'est pas grave, j'ai assez de ressources. Bon, bah, du coup, ça me permet d'utiliser la carte pour avoir 3 paysans en plus. Ouais. Super. C'est con, il a pu utiliser une carte de merde. Au moins que ça serve à quelque chose, hein. Faudra que je la remplace cette carte une fois quand même. Enfin, non, parce que je l'utilise quand même. Ok. Et du coup, maintenant qu'ils ont fait tout ça, ils veulent faire quoi? Bah, maintenant, il faut refaire les troupes parce que ça a coûté cher leur petite escapade, là. Hein. Bon, ça m'a pas coûté tant cher que ça comparé à lui. Moi j'ai perdu quoi, une quarantaine d'hommes. Ah d'accord, il y a quand même mon chien qui est venu aider, hein. Sympa. Et puis il a survécu. Moi je crois que j'ai perdu une quarantaine d'hommes là-dessus, tu vois, alors ça va. Comparé à celui là. Ça se reconstruit vite, hein. Ouais, ouais, bien sûr. C'est là que tu vois les, générales de guerre, les généraux de guerre, quoi. Oh, j'ai perdu des hommes, boah. On va les recruter au village, c'est pas grave. Ah, c'est bon. Voilà, j'ai déjà tout refait. Pauvre gars, quoi, j'aimerais pas être à sa place, quoi. Ça doit être démoralisant pour, pour l'ennemi, ça. Ouais, j'en ai tué que 40. Que 40. Ah, c'est un mouton, ça. Casse-toi. Ah, t'es bloqué. Putain, j'ai réussi à bloquer un mouton dans le village. C'est fort, ça. Joli. Si. Bon, bah, moi, lui, il risque rien, lui. Hein. Il risque pas de se faire bouffer, rien du tout. Bon, allons-y. Tu vas attaquer? Ouais. Tu attends peut-être 5 minutes que j'ai fini mes hommes? Je vais juste amener mes canons par là-bas. Tu vas te faire le rouge? Ouais, ouais. Ah bah je vais aller dire bonjour au loin. Ah ouais, je vais aller dire bonjour. C'est fait chier, c'est qu'il y a ces putains de forts, quoi. Oh, t'en fais pas, moi je vais me le faire de loin. Oui, toi oui, mais moi j'ai des hommes, Jules. Oui, tu trouves une stratégie, hein. C'est chacun son... Chacun sa merde, hein. Ouais. Toi tu me dégages, toi tu me fais un paysan, je vais attaquer avec un bateau. Bien sûr. Sympa les gars, vous venez nous aider contre moi. Putain, j'en ai marre. Tu vas t'en sortir? Je vais rallumer toute mon armée ici, il va voir ce que c'est une armée. Je le ferai. Ah, moi j'ai amené mon... Ah, ma petite armée, on va dire. Monsieur veut s'amuser, on va s'amuser. Bon, bah si vous voulez regarder l'attaque de chez Tiger, hein, vous regardez sur son écran. Monsieur veut jouer au malin avec ses deux petites armées combinées? Pas de problème, bien joué. On va te montrer comment on joue. Alors. Oh, il te restait 2-3 petits chevaux pour défendre, c'est mignon. C'est ça qui va me tuer. Ah bah oui, il y a genre un peu plus de 150 hommes ici. Ça va faire plus mal qu'avant, je le garantis, mon pote. Réunissez vos troupes ici? Pas de problème, elles sont déjà presque toutes là. Oh, c'est bien. Ouais, là ça va gagner un peu, hein, je suis désolé. Oui. Mais il l'a cherché aussi, hein. À force de combiner ses troupes, moi je combine les miennes aussi. Je vais encore en combiner un peu plus là, parce que j'en ai encore 50 qui viennent de sortir.
Ah ouais, ça lag. Hein. Ouais, c'est normal. Hein. C'est un peu voulu que ça lag. Je suis descendu à 5 FPS du coup. Oh putain. 11. Je suis à 36 là, mais voilà. Hein. Ah oui, 150 hommes, c'est plus dur à tuer, tu dis. Ah, c'est dingue, hein. Oh putain, il manque, t'es fini, hein. C'est de sa faute, hein, c'est pas de la mienne. Bon, je vais m'éloigner de là, ça la grand un peu moins. Ah, du coup, je remonte à 40 FPS. Je m'éloigne du champ de bataille, ça va tout de suite mieux. Ça survit là-bas ou pas? Ouais. Ça allait. Je regarde une bataille. Dans la bataille. Non, non, ça survit très bien, je dis. Oui, je vois les FPS qui remontent à mesure. Bon, si, dès que je me rapproche du champ de bataille, ça descend à une vitesse. Ah, c'est bon, il y a presque plus d'heure. Bien, quand il y a quelques canons qui restent là, on va les flinguer et puis c'est bon. Ah, tu y tenais à ton fort, petit rouge. Écoute. Ton fort, il me dérange. Voilà. Une armée et demie pour moi. Putain, le coin. Ça va bien. Ouais, deux petites armées, moi tout seul, ça va. J'ai même pas perdu tant de lungs que ça encore. Au lieu d'abord détruire son fort et puis après j'attaque aussi. Je viens voir chez toi comment ça se passe. Ça va. Recule. Oh non, moi je détruis de loin, hein, tu sais, moi c'est ma technique de pute. Hein. Parce que t'as 3 canons qui font tout le boulot, puis t'as 4... tous les autres qui le regardent à côté, quoi, c'est ouais. Ah bah tiens. Bonjour. Oui, les chevaux c'est mon point faible, j'admets, mais là. Ça c'est le seul point faible que A, ah, c'est canon, ça et puis l'anti-artillerie, ça il est voilà. Pas en général. Mais là, 4 chevaux quand même. Ah, du coup, jaune il va aller le filer un coup de main rouge, c'est une bonne idée, je pense. Oui. Il aura besoin d'un coup de main. Oui. Mais et puis, si vous voulez qu'on se refasse une petite, une petite fête, hein, vous venez me voir, hein, je vous défonce la gueule et puis c'est bon. Pas de soucis, on est là pour vous aider. Du coup, jaune il essaie de passer par ailleurs. Voilà, ton centre-ville. Tu lui dis au revoir. Tu dis au revoir à ta vie en général là, parce que c'est bon. Hein. Là, on a assez enduré vos conneries. C'est vrai que nous, on dure un moment, puis après, nous, on attaque une fois en général. Voilà. On voit pourquoi ils se font chier à attaquer tout le temps, quoi. Une attaque bien coordonnée. Voilà. Et bon, comme vous l'avez vu, ces canons sont très très longs à sortir, mais. Ça fait... Moi, c'est l'avantage, c'est que mes hommes sortent vite, puis ils sont puissants en plus. Voilà. Vous les verrez après à l'œuvre, dans un petit moment. À la base, je prenais des canons anti-bâtiment en général, hein. Et quand j'ai découvert ces canons-là, qui faisaient les deux en même temps, hein. Voilà. Bon, je vais te laisser finir ton attaque, de toute façon, ça va être un gros bordel, j'ai l'impression. Non, non, ouais. Alors, toi, tu vas gérer, mais bien, je suis pas sûr qu'il va gérer. Au point où on en est. D'accord. Très bien. Alors, à préparer les bataillons, on peut pas se mettre en route. Allez, un petit verre et on y va. Allez, on attaque tous les mecs. C'est quoi l'usine à canon déjà? Parce que là, il arrête pas d'en sortir. Bah, tu regardes le bâtiment d'où il sort. Oh, il y a des paysans qui m'attaquent. Il est désespéré, le mec. Hein. Bon, maintenant que j'ai repéré ce que c'était votre usine à canon, on va détruire, voilà, ça c'est fait. Non, non, c'est facile, hein, chez moi, je sais pas comment tu t'en sors, mais... Non, je suis en train de reformer mon batailleur parce que c'était un peu foutoir, là, pendant les attaques. Je me faisais dans la gueule. C'est mignon d'envoyer des paysans sur moi. Voilà, mes deux ensembles sont prêts, on y va. Juste pour une petite image, c'est beau quand même. 400 hommes, enfin 200 hommes prêts à l'attaque, c'est quand même beau. Ah oui, quand même. Alors, bataillon 1, ici. Bataillon 2, ici. Le 3, ici. Et le 4, ici. En avant, en marche. C'est dommage, je suis pas reculé plus l'écran, quoi. Ah là, il a reculé au maximum chez moi. Oh putain, le jaune attaque. Ouais, t'inquiète pas, il va bientôt être distrait. Ah, de l'artillerie. Ouais. Les seuls trucs qui me font pas de mal. Ouais, bah moi j'en ai aussi. T'inquiète pas, va. Je vais attaquer sa ville maintenant, elle va être occupée.
Ah ouais, ça c'est les canons exactement plus inutiles de 50 mètres, tu trouves pas quoi. Ouais. C'est les trucs, ça me chatouille à peine quoi. Ah bah du coup il a retourné en arrière le jaune. Du coup il y a 200 hommes qui passent chez lui, il revient en arrière. C'est bizarre quand même. Ouais, on se demande pourquoi hein. Bon, vu qu'il a l'air de vraiment tenir à ses indiens, je vais aller lui détruire son comptoir. Ah, je sais que je pourrais attendre que t'es fini, mais bon. Pourquoi jaune? Ouais, ouais. Ah ouais, t'es plus prêt, alors vas-y. Non, je parle du comptoir indien du rouge. Ah non, vas-y, mais fais-toi jaune, moi j'en suis près du rouge. Ouais, ok. Au niveau de la proximité, c'est quand même plus près. Ah bah, ils sont en train d'en reconstruire, hein, les enculés. En plus. Là où il y a de la gêne, hein. Y a pas de plaisir. Oh, vous venez de construire ce comptoir, je suis désolé. Hein. C'est juste que le rouge, il envoie régulièrement des indiens sur moi pour essayer de défendre ce qui reste de sa ville. Si on peut appeler ça encore une ville. Allez, la petite usine, je suis sûr que t'en as plus besoin, je vais te la détruire. Ouais. Pourquoi vous ne m'attaquez pas plutôt que détruire les cultures locales? Bah, parce que c'est à toi. C'est les indiens, quoi. Oh, le con. Ils sont des chevaux au milieu de 100 hommes à peu près. Ouais. Pas tout à fait, ouais, il y a une soixantaine là je pense. J'ai perdu deux canons. Bah moi j'ai perdu un peu plus d'hommes. Mais bon c'est normal, hein. Mes hommes sont plus faibles aussi. Oui. Enfin plus faibles non mais... Approchez-vous des hommes qui coupent du bois là, oui parce que... Au bout d'un moment ils abandonnent quand même, voilà. Mais en plus dire non et puis juste tuer tous les paysans. C'est juste pour le fun, parce qu'ils nous font tellement chier en général à nous provoquer, à nous dire des petites phrases gentilles que... La première fois, on n'avait pas compris comment gagner si on disait non, donc on acceptait, mais depuis qu'on a compris... J'aime bien la musique d'attaque, c'est toujours bien entraîné. Ouais. Moi ça va, elle est déjà passée ma musique d'attaque. Non, je suis encore plein dedans. Bon, où est-ce qu'il y a encore des rouges? Il y a des moutons et tout. Bah alors, la reine Elisabeth, c'est où qui t'en reste? Ah, il y a des petits paysans là. C'est bien, continue d'essayer de venir construire au milieu de mes canons. Moi j'aurais déjà été reconstruire un centre-ville ailleurs, hein, mais bon. Oui, mais nous on est logique, quoi. Tu te fais une attaque pareille, tu restes pas là, quoi. Oh bah tiens, il y a une paysanne qui est morte là, enfin morte. Morte intérieurement, j'entends, hein. Elle bouge plus. Ah, boum. Voilà, Elisabeth, c'est fini. Dingue, j'ai récupéré tous les moutons. C'est bizarre quand même. Mais, il reste plus que ce putain de comptoir indien là-haut, hein. Tu peux pas le détruire là? Je finis l'usine puis je m'en occupe. Ok. Et là, c'est la seule chose qui l'empêche de mourir, cet enculé. D'accord, je finis la cuisine, puis je suis à toi. Bon, détruisez tous l'usine, laissez partir ces deux pauvres indiens. Oui, ils arrivent droit sur mes canons, là. Alors, ils peuvent bien s'amuser, hein. Ah, tu vas absolument flinguer mes hommes? Tu sais, quand ils seront finis de détruire, ils vont se retourner. Ouais, ils vont se retourner, et ça va chier. Voilà, attention. Maintenant. Voilà. Non, non, reste ici, viens. Attends qu'on est prêt. Attaquez vos comptoirs maintenant. Ouais, et apparemment, les Indiens ont rencontré mes canons. L'issue de la bataille était assez prévisible. Oh, intelligent! Qu'est-ce qu'il fait? Oh! C'est con, il y a un petit bataillon qui l'a vu, ce petit truc. C'est pas de bol. Ah, c'est pas de chance. Hein. Mais il a essayé! Écoute, c'est bien la première fois qu'ils font une petite preuve d'intelligence comme ça, je crois. D'ailleurs, Reine Elisabeth, c'est fini, hein. Ah ouais. Ah ouais, j'ai détruit le comptoir. Bah oui. C'était sa seule ligne de défense qui lui restait. Oh, c'est mignon. Il a essayé, hein. Ah écoute, qui ne tente rien à rien après, hein. Ah, bien cette musique. Je sais pas, moi j'ai la petite musique d'habitude. Ah bah cool, cool, j'aime bien cette musique. Je suis pas sûr qu'on entendra le son de ton jeu, hein. Tu sais que je peux pas laisser les deux sons en même temps. Bah ouais, je sais, mais je m'en fous, moi je l'entends, c'est le principal. Ah non, mais arrête. Oui, les recommerçants, ça va mort, je les détruis. Non? Non? Attends encore 2 minutes, c'est bientôt fini. Attends qu'on trouve tes derniers paysans. Attends que tes paysans reviennent à la ville, parce que là, voilà. Le comptoir, c'est réglé. Ils arrivent, les paysans? Oui, Ils ont reconstruit en bas, hein. Mais quelle bande d'enculés! Non, mais ça va, tu dis si je te dérange, mon pote. T'as raison, on va attaquer la ville avec deux pays. Non, mais quel con.
Il envoie un gaillard pour attaquer la ville. Oh mais non. Il, avec une armée, il est déjà pas passé. Mais... C'est sûr qu'avec un homme, ça passera. Je vais le suivre, ce petit mec. Juste pour voir. C'est un ouf, c'est foutu paysan. Ah non, moi je le suis. Juste pour voir combien de temps il dure. Ah bah déjà, il y a le comptoir qui l'attaque. Déjà, c'est pas de bol. Bah c'est le dernier péclon qui doit lui rester, je crois. Ouais, là, il y a mon comptoir que j'ai construit avant qui l'attaque. Allez, on va lui envoyer l'armée aux fesses. De toute façon, c'est les canons qui vont le tuer, mais il va être tué par une armée. Et juste pour ajouter à l'insulte, je vais reconstruire mon... Il remarque le territoire par derrière, en fait. Voilà. Voilà, je reconstruis le comptoir qui m'avait piqué. Ah, voilà, le petit, il est là. Ah. Victoire. Voilà. Dingue, hein. Ça, c'est fait. Bizarre, pourquoi avons-nous gagné? Alors, en fait, c'est le cas, c'est la défense qui nous a sauvé la vie, quoi, c'est dégueulasse. Ah ouais, exactement. Et on pose jeu. Bon, bah, du coup, j'ai eu quoi, moi? Ressources minimum, comme d'hab, hein. Ouais, c'est le seul truc que t'arrives à faire, ça, voilà. En général. Moi, j'ai tout le... j'ai une bonne partie du reste. Amélioration max, ok. Unité tuée max, dans quel sens? Non, moi, j'aime bien le petit graphique qu'ils mettent, hein. Ouais, c'est joli, ouais. Le total d'expérience, en général, bah, ça se tient entre toi et moi, hein. Tu m'as rebattu sur l'expérience juste à la fin. Bah ouais, j'en ai tué encore un dernier. Total d'expérience et trésor. Bon bah ça, bah j'en ai eu un. Ah, c'est bien, c'est sûr que j'ai su les âges en général. Parce que moi je commence très très tard. Ouais. Et d'un coup je pense que bon. Les âges, ah oui, tiens. Ah oui, putain. C'est souvent comme ça. Ou alors tu vois, tu vas regarder chez les villageois, tu vois quand c'est que je fais mon licenciement. Ouais, oui aussi. Non, moi je vais moi ce que j'aime bien regarder c'est le total de population, hein. Voilà. Alors attends. Voilà, population d'unités militaires, genre par exemple tu prends que le rouge, hein. Tac. Tout allait bien à un moment et puis tout d'un coup, plus rien. Et toute la population, c'est pareil, hein. Tout d'un coup ça s'est pété la gueule. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin voilà, si cette vidéo vous a plu, les gens, vous pouvez laisser un j'aime, commenter, vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter et la mettre en favori, tout ça me fait énormément plaisir. Si vous me rejoignez sur ma page Facebook qui est dans la description de la vidéo. Voilà, sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, donc c'était Nasband et Tiger. Hein. Salut à tous. Voilà, pour vous servir. Allez, bye. 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 En général, je sais pas s'ils le savent, mais les Quick Time Events, c'est censé avancer en même temps que tu fais les touches. Ouais. Je crois que c'était... Bon, c'est un vieux jeu. Hein, oh putain, non, encore un Super Saiyan. Oh non, bon, bah on le bute cette fois. Allez hop. Non, t'attaques pas mon pote. Non, mais en fait, là il était concentré sur toi en mode je veux elle pendant que t'étais en train de... Ouais, c'est ça. Oui, non, mais quand il y a le barbare qui te tape dessus, je sais pas, réagis, tu fais quelque chose. Cher. Peut-être ouais. Essaye de parer, d'attaquer, non vraiment pas, d'accord, bah écoute. Non mais il voulait te courir dessus, c'est ça le truc. Pourquoi les marqueurs ils disent repartir là? C'est pas. Écoute, on a su le petit marqueur, hein. Le petit marqueur il a dit.